Quatre ans après avoir fait l'événement sur la croisette avec Gomorra, l'adaptation coup de poing du livre de Roberto Saviano qui lui a valu le Grand Prix en 2008, Matteo Garrone rate un peu son retour à Cannes avec Reality, une comédie dramatique assez banale sur un sujet déjà bien éculé, la télé-réalité. Dans le film, Luciano, un jeune père de famille napolitain, magouilleur et volubile, qui a des aspirations artistiques, passe un casting pour Grande Fratello, qui est la version transalpine de Love Story, et se persuade qu'il va être sélectionné. Parti pour tirer de ce scénario une comédie picaresque dans la grande tradition italienne, Matteo Garrone semble avoir été paralysé à l'idée de se confronter directement au modèle sacré du genre et échoue à se hisser à leur niveau ou même à en détourner les codes. La faccia che lei è una persona, diciamo, lei ha la faccia proprio e strunz. Senta, siamo di redazione di Grande Fratello. Oh, ma io ho detto niente di strano, io sono veramente il Grande Fratello. Plus à l'aise dans la chronique sociale, comme l'avait bien démontré Gomorra, il réussit par contre à restituer de façon saisissante l'atmosphère truculente du quartier populaire dans lequel vit la famille du héros, entre immeubles des Cati et trafics en tout genre. Au crédit du film également, il faut signaler la prestation de l'acteur principal, Agnello Arena, qui méritera de figurer dans la liste des favoris au prix d'interprétation. C'est un comédien amateur, membre d'une compagnie de théâtre de prison, qui est d'ailleurs toujours incarcéré et qui ne pourra pas venir chercher son prix s'il l'emporte. C'est la preuve qu'à Cannes, la télé-réalité peut parfois dépasser la fiction.